les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima. Donc c'est parti, on continue notre aventure. L'esprit vengeur de Yarikawa, une quête secondaire. Donc c'est parti. Voilà, c'est ici, normalement. J'aurais peut-être même pu prendre le cheval. Ah, puis il y a un petit oiseau, on va le suivre. Ça a l'air d'être par là. Mais non, ah, il y a des ennemis. Ah bah c'est bon, on est en plein sur la quête de toute façon. Parfait. Mais non, je voulais pas faire ça moi. On va le suivre, je sais pas trop si il indique cette quête-là ou pas. Ah, c'est pas des ennemis, donc c'est bon. Soyez prudent, monseigneur. Les ruines de Yarikawa sont dangereuses. Ah, c'est bon, c'était ici. Que s'est-il passé? Nous étions sur la route lorsque des cris ont retenti. Le temps d'arriver, il était déjà trop tard. Ils ont dû s'entretuer. Non. C'est l'œuvre de l'esprit vengeur de Yarikawa. Un esprit? Vous connaissez certaines légendes, mais pas celle-ci. Il y a fort longtemps, les samouraïs du clan Yarikawa étaient les plus fines lames de toute l'île. À chaque génération, un seigneur apprenait le secret de la famille. Une technique mortelle, appelée la danse du courroux, capable de percer les défenses de n'importe quel ennemi. Ah, personne nouvelle compétence. Ne maîtrisait mieux cette attaque que le seigneur Tokiasa Yarikawa. Il avait beau être aimé des siens, il était jaloux du pouvoir du clan Shimura. Prêt à tout pour le renverser, il organisa une rébellion sanglante dans laquelle beaucoup perdirent la vie. Le père et les frères du seigneur Shimura succombèrent à la danse du courroux de Yarikawa. Mais avec l'aide du clan Sakai, Shimura mit fin à la rébellion et exécuta le seigneur Yarikawa. Avant de mourir, le traître jura de venger son clan par-delà la tombe. Aujourd'hui encore, ses descendants font des offrandes à son esprit dans les sanctuaires. Je comprends mieux pourquoi les Yarikawa, ne nous aiment pas. Ils le supplient d'anéantir tous leurs ennemis, et l'esprit vengeur des Yarikawa leur répond avec la danse du courroux. Vous pensez que ces hommes ont été tués par cet esprit? C'étaient des marchands connus pour escroquer leurs clients. Ils s'enrichissaient par le vol. Quelqu'un aurait prié pour qu'il meure. Les sanctuaires regorgent d'offrandes destinées à cet esprit pour assouvir de sanglantes vengeances. Où se trouvent ces sanctuaires? Les gens y brûlent de la paille et des pétales de fleurs pour produire de la fumée et guider l'esprit. Il vous suffit de lever la tête, monseigneur. L'esprit vengeur de Yarikawa. Prudence. Les habitants de Yarikawa n'ont pas oublié le rôle qu'a joué votre clan dans leur chute. C'était il y a longtemps. Pas pour eux. Ok, alors, chercher la fumée blanche dans le vieux Yarikawa. Très bien. La carte, c'est par ici. Ok, bon, on est déjà dessus. Très bien. Alors... En même temps, il y en a partout de la fumée, donc je ne sais pas si je suis au bon endroit. Ruine du vieux Yarikawa.
tout cas, pour l'instant, on est dans la zone de quête, donc ça, c'est bon. Alors. La fumée blanche. Là-bas, il y a de la fumée blanche, non? On dirait, hein? Ou c'est l'eau, les reflets? Ouais, c'est plutôt l'eau, hein. Du coup, j'arrive pas trop à savoir où est la fumée. Là-bas. Ah, non, là-bas. Attendez. Oui, voilà, ok. Plutôt ça. Hein. Le reste, c'était de la brume. De la fumée. L'esprit. Ouais, ça, c'est de la fumée. On va faire gaffe, il y aura peut-être des ennemis quand même. Plus vite, Sora. Ah, là, des trucs, ok. On voyait les directs, hein. Un sanctuaire dédié à l'esprit vengeur de Yarikawa. Quelqu'un a laissé un message. Eitaro nous a tous trahis. Il se trouve dans un camp près d'ici. Mettez un terme à sa misérable existence. Très bien. Eitaro nous a tous trahis. Il se trouve dans un camp près d'ici. Mettez un terme à sa misérable existence. Sûrement, c'est ce que je viens de dire. Survivant. Ah, bah c'est par ici. Ah, ok, il est là. Seigneur Sakai, qu'est-ce qui vous amène? Lequel d'entre vous est Eitaro? C'est moi. Quelqu'un a demandé à l'esprit vengeur de Yarikawa de vous tuer. Pour quelle raison? C'est un espion mongol. Il disparaît chaque nuit pendant des heures. Il refuse de dire où il va. Je n'ai rien fait de mal. Si vous collaborez avec les Mongols, je finirai par le savoir. Je ne ferai jamais ça. Je vous en prie, je peux le prouver. Faites-le avouer, monseigneur. Je vais vous expliquer, mais pas ici. Suivez-moi. Ok, alors. Là, on a ça. On va récupérer tous les trucs avant. Je n'arrive pas à croire qu'on ait voulu ma mort. Voilà. Préoccupez-vous plutôt de moi. Contrairement à l'esprit, je suis bien réel. Mais monseigneur, je l'ai vu. Vraiment? Où? Sur la route. Trois bandits ont essayé de me voler. L'esprit leur a tranché la gorge avant de disparaître. C'est ici que je viens chaque nuit. Une tombe. Qui est enterré ici? Il s'appelait Tojiro. Nous étions proches. Mais son épouse et sa famille se trouvent au camp. C'est impossible pour moi de leur expliquer sans les blesser. Je comprends. Mais ce n'est pas le cas des gens du camp. Leur peur met votre vie en danger. Où pourrais-je aller? Rendez-vous à Ariake. Vite, avant qu'il soit trop tard. Merci, monseigneur. Ok, alors. Faut encore trouver la fumée blanche.
Pour l'instant, je ne vois rien. Est-ce que j'aurais pas dû monter tout en haut? Peut-être qu'on aurait mieux vu. Pour l'instant, aucune fumée, hein, on est d'accord. C'est quoi ici? Je vais monter tout en haut là-bas. Alors, il n'y a pas de fumée, hein. À moins que ce soit là-bas, comme tout à l'heure. Là, c'est de la brume. Ah, là-bas. Ok, c'est bon, nickel. Y a rien à ramasser ici? Non. Ah, il est soufflé. Voilà, la fumée. Quelqu'un a laissé un message pour l'esprit vengeur de Yarikawa. Alors, les Mongols asservissent notre peuple. Leur camp est au bord du fleuve de Kushi, non loin de ce sanctuaire. Anéantissez-les. Très bien. Les Mongols asservissent notre peuple. Leur camp est au bord du fleuve de Kushi, non loin de ce sanctuaire. Anéantissez-les. Ce combat est le mien, pas celui de l'esprit. Pourquoi je m'embête à les lire ouais, mais sauf que lui, il va par là. Non, le vent va plutôt par là. De me rappeler des touches parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Pour l'instant, je vois pas d'ennemis, moi. Comment ça se fait? Des gardes. Il a fallu une force impressionnante pour les vaincre. Ouh là là. Je suis pas très rassuré, là. Faites-moi sortir! Monseigneur, pitié! Calmez-vous, je vais vous libérer. Et si c'était lui, là, le prisonnier, non? Hein? Dites-moi ce qui s'est passé. L'esprit. Il les a tous tués. Et il a disparu. Ah non. J'ai bien cru que j'allais mourir dans une cage. Qui étaient ces gens avec les Mongols? Ceux qui m'ont vendu à l'ennemi. Vous êtes libre. Partez. Oh, merci. Ok. Alors, ça s'est fait. L'esprit est parti vers un autre sanctuaire, peut-être. Ok, du coup, je dois faire quoi là? Chercher la fumée blanche encore dans le vieux Yarikawa. Très bien, ben écoutez. Hein. On va remonter. Regarde sur la carte. Ouais, là, on va s'éloigner un peu. C'est pas ce qu'on cherche. Je vais repartir par là. Je pense que je suis pas du tout au bon endroit. Je me suis éloigné. Je pense qu'il fallait continuer sur le truc. Il n'y a aucune fumée blanche nulle part. Ah, la musique. Des ennemis quand même.
Mais est-ce que c'est pour cette quête-là? Je suis même pas sûr. Ah oui, non, c'est les ennemis en face du truc. Ok. Donc c'est pas par ici, hein. Mince. Je vais passer 3 heures à chercher la fumée là. En plus, on est de nuit, on voit que dalle. En même temps, du coup, ça se voit facilement, je pense, du coup. Quoique, ce serait peut-être mieux de jour quand même. Hein. Ah, là-bas, enfin. Non. Voilà, je m'en doutais. J'ai essayé de faire une roulade et ça n'a pas marché. Je regarde s'il n'y a rien à récupérer. On ne sait jamais. Ah, si. Hop. C'était par ici, je crois. Un autre sanctuaire dédié à l'esprit. S'il y avait un message ici, l'esprit l'a déjà récupéré. Bah, je peux pas récupérer l'eau. Bataille. Tout prêt. Bah, je m'éloigne. Suivez les bruits de combat. On va essayer. Je galère déjà à me repérer avec le vent. Alors avec les bruits de combat, ça promet. Et donc c'est par ici. Bah moi j'ai rien entendu, hein. Les bruits de combat, que dalle. Hein. Encore eux qui avaient le point de quête. Ah. On peut rentrer par cette ouverture. Non, en bas. Dire pas. Ah bon? Justement, je pensais monter ici, là, moi. Ok, pour l'instant, il n'y a rien. Quelqu'un vit ici depuis un certain temps. Ces rouleaux ont été écrits avec soin, mais ils n'ont aucun sens. Le seigneur Yarikawa serait toujours en vie. Oh! Oh, il est infesté de puces. Ok. Porté par un samouraï de Yarikawa. D'accord, c'est tout? Je vois rien d'autre, hein. Ah, on peut récupérer ça. Une bannière du clan Yarikawa. Non, on la récupère pas, ok. Mais je vois rien d'autre, hein. Ah si, à chaque fois il y a un truc, ok. Ces offrandes proviennent des sanctuaires dédiés à l'esprit. Un samouraï du clan Yarikawa aurait survécu. Je dois découvrir de qui il s'agit. Il faut que je trouve un autre sanctuaire. Encore de la fumée blanche, bah dis donc. Ah oui, il voulait dire on peut rentrer par là aussi. Moi je suis rentré par en haut, bon. C'est pareil. Alors, hop. Et c'est comme une grande zone, hein. Pour trouver de la fumée. Ah, là-bas. Là ça va, c'est tout de suite. Ok.
Alors. Comment ça, je peux pas y aller? La caméra, elle fait des bugs, là. Une autre offrande à l'esprit. Le seigneur Sakai est l'ultime survivant de son clan et le serviteur de ce chien de Shimura. Conduisez-le au jardin des dieux et offrez-leur sa mort. Une prière adressée à l'esprit pour qu'il me tue. Super. Je vais me rendre au jardin des dieux et en finir avec cette histoire. Je suppose qu'il faut encore regarder la fumée, non? C'est bon? Ok, c'est bon. Bah, c'est pas par ici. Pourquoi je vais par là, moi? Non, 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 c'est pas par ici. C'est quand que le jour se lève, là, hein? On voit rien, hein? On fait tout de nuit, nous. Le cheval. Allez, viens, Sora, on y va. Hop. Alors maintenant, faut trouver le jardin des dieux. Ah mince. Je suis trop loin de la quête. C'est pas le truc que j'avais vu tout à l'heure là, avec les statues. C'est pas ça le truc, le jardin des dieux là? Mais mince, pourquoi il fait jamais de roulade lui? L'esprit, il était juste là. Qui a parlé? Vous avez vu l'esprit? Où est-il parti? Vers le jardin des dieux. Ça expliquerait pourquoi toutes ces lucioles se sont rassemblées là-bas. Ah, on suit les lucioles, très bien. Fallait le dire plus tôt. Bah y a plus de lucioles, c'est par où alors du coup? Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Il y en a plein là-bas. On se rapproche. Je trouve que c'est pas mal par contre pour se repérer, enfin quand on y arrive. Parce que des fois, dans des quêtes, c'est se repérer avec les fleurs blanches ou les fleurs violettes. Par contre, là, je me trompe, non? Non, c'est par ici? Je ne sais pas. Parce que là, il y a quand même plein de lucioles, hein, donc on n'est pas loin, non? Ben oui, mais je suis les lucioles normalement. C'est pas mal dans l'idée, mais quand on a un sens de l'orientation pourri, c'est galère. Très galère. Mince, moi je... Ah, on peut s'accrocher là? C'est ici là? Moi je cherche le jardin des dieux, pas une maison abandonnée. Bon. Je vais suivre la fumée, peut-être. On va suivre la fumée. Ah bah voilà. Oui, voilà, c'était ça. J'étais au tout début, quand même. Bah voilà, c'était ça. Il s'agit de leur jardin. Un sanctuaire, mais pas d'esprit. Ce message m'est adressé. L'esprit vengeur de Yarikawa vous attend. Eh bah, super. L'esprit vengeur de Yarikawa vous attend. Alors, qui c'est? C'est donc vous, l'esprit.
Je suis le vent qui soulève les cendres. Je suis l'âme vengeresse de Yarikawa. Ah, c'est une femme. Vous versez le sang en usant d'une technique disparue avec un clan de traîtres. Qui êtes-vous ? La fille d'un samouraï ? Qui a survécu à la révolte ? Nul n'a survécu. Seuls subsistent des fantômes. Ok, bah comme ça on est deux, hein. Affronter l'esprit en duel, oui, je m'en doutais un petit peu. Qui vous a demandé de me tuer ? Les paysans qui s'inclinent devant vous. Les marchands qui sourient en prenant votre argent. Tout Yarikawa prie pour la mort des clans Sakai et Shimura. Faux. Certains nous ont pardonné. Les autres ont soif de vengeance. Et moi, je vais étancher leur soif. Ça, c'est ce qu'on va voir. Tiens, hop, déjà triangle rond, tu vas voir. Par contre, si elle a une épée, normalement, c'est celui-là. Mince, je vais faire une attaque lourde, là. Pourquoi j'arrive pas à faire... Voilà, c'est celui-là que je vais faire. Voilà. Je devine vos déplacements. Yarikawa sera votre tombeau. Voilà. Celle-là, je l'aime bien. Voilà, il va plus faire. J'ai peut-être plus assez de... Voilà. Yes. Que faites-vous ? J'apprends. Encore. Je sais comment vous vaincre. Non. Non. Vous allez mourir. Ah, yes. Ah, nickel. Vous êtes une grande guerrière. Mais la rage qui vous ronge vous a fait vous tromper d'ennemis. La danse du Kourou est mienne désormais. J'en ferai meilleur usage que vous. Ah, c'est top. Bon, on a tué quelqu'un, mais on a la danse du Kourou quand même. Yes. Vengeance d'Omu Kade. Une force surhumaine et la létalité du poison. Eh ben, c'est cool. On va afficher. Ah oui, non, c'est un kit. Oh, il est joli quand même. Il est joli. Mais ça suit pas trop avec le truc. Ok. Du coup, normalement, elle est là quelque part. C'est ce que je viens de faire. L1 et R1. Nickel. Ah, c'est trop top, ce truc. Et bah, ça, c'est fait. Hein. On a récupéré une quête. Et nous, on va s'arrêter là. On va se mettre, voilà, bah ici. Dans le jardin des dieux. Nickel, là où il y a eu le duel. Parfait. Voilà. Donc hop, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Ghost of Tsushima. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !